c'est pas gagné. Non, non, pour de vrai, pourquoi il avance? Bon, rien à foutre. Alors là, mec, je dépasse. Par la droite, toujours par la droite. Voilà, on aime. Ce pont. Ah ouais, mais c'est une autre police. Alors là, mon pote. Je vais les semer. Alors là, je vais les semer. T'as jamais vu ça. Et bon, à tous, aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je teste GTA 5 au volant. Alors déjà, comment je me remets, d'accord. Donc c'est simple, j'ai des pédales et un volant, déjà très pratique. Juste ce n'est pas du tout optimisé, cependant j'ai remarqué qu'on pouvait l'utiliser sur GTA 5 tout bonnement parce que le volant en fait est compté comme une manette. Genre vraiment, j'ai les touches en face de moi, genre si je fais ça j'ai mon téléphone, bref, je peux faire option, tout ça. Je peux pas faire palette tactile, bref, tous les trucs dans GTA je peux pas trop. Cependant, les pédales et le volant marchent pour aller en véhicule et moi je vais tester ça. Ça a l'air plutôt sympa. Alors c'est pas du tout optimisé de base, c'est pour les jeux de course hein. On va tester. Je peux pas changer de vue. J'aurais bien aimé parce que je peux pas faire palette tactile, je crois pas sur le volant. En tout cas, je vois pas la touche. Faut savoir déjà que c'est en automatique hein, j'ai pas à passer les vitesses. Enfin en soi je pourrais, mais c'est assigné à d'autres touches et sur GTA on peut pas passer les vitesses. Bref, vous allez comprendre, j'espère qu'on m'entend bien parce que le micro est loin du coup. Puis, écoutez, c'est parti, ça fait longtemps. On va tester. Oh là, c'est beau. Alors déjà, on va tenter d'aller vite, déjà. Donc, je suis en mode histoire avec Michael. On aime, hein, ça va... Wesh! Il y a littéralement un PNJ à travers le mur. Les gars, faudrait peut-être penser à sortir de la situation d'un moment. Par contre, ma conduite, elle va être compliquée, hein. En vrai, peut-être bonne idée pour apprendre à conduire. Prenez un volant, allez sur GTA 5. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas le permis, finalement, pas si mauvaise idée. Regardez, là, le stop. Bon, bref, faut avoir automatique, hein, faut... Ouais, c'est un peu brut. Allez, moi je dis faudrait aller sur l'autre. Ça c'est non, en vrai c'est dur. En vrai c'est vraiment vraiment dur. C'est pas méga optimisé hein. Normal quand même. GTA n'est pas fait. Non mais c'est trop, ça tourne trop. GTA n'est pas fait pour un jeu au volant. Déjà, de base, j'ai un volant pour jouer à F1 2021, déjà, qui est un méga jeu. Cependant, pour tourner, c'est pas pareil. Hein. Genre, les voitures sont un peu plus... Je sais pas, c'est différent. Hein. Genre là, la voiture, pour tourner, il faut que je trouve mes marques. Ok. J'ai envie d'aller sur une petite autoroute, finalement. Alors déjà, faut pas que j'appuie sur le triangle, parce que dès que mon joueur sort du véhicule, comment vous dire que je peux pas avancer avec le joueur. Hein, je ne... Disons que j'ai qu'un volant et vous savez, on doit faire joystick avant. Je sais pas comment. Je peux tourner avec le joueur, c'est tout. Ok. En fait, faut que j'ai des pédales. Hein. Je sais que je répète, mais les pédales, c'est compliqué. Ok. Autoroute, elle est à gauche. Je vois un chemin. C'est le chemin habituel finalement. Hop. Les piétons. Voilà, après on va essayer de respecter un petit peu le code de la route, comme on a tous déjà essayé sur manette, mais au volant ça va être beaucoup plus stylé. Ok, on va tester. Déjà je suis très mal placé, hein. Je me recule tête un peu. Ok. Puis écoutez, on va mettre les gaz. Je vais me prendre un poteau. Attendez, comme on est en mode histoire, on est d'accord que si je vais trop vite et que je me prends un mur, le joueur, enfin Michael, il va sauter, je crois. Oh lolo, c'est ce que c'est mauvais. Oui, je veux manier, c'est ok, je suis au max. Voilà, en même temps, c'est autoroute. En même temps, là, il n'y a pas. En même temps, là, c'est. J'allais dire, il n'y a pas plus simple. On voit rien. Et je peux pas changer ma vue en fait. Voilà, demi-tour, je sais faire. Pardon. J'ai envie de tenter les créneaux. Alors, les créneaux, les virages, enfin, tu sais, les trucs. Les dépassements. Ouais, bon là je dépasse à droite, c'est pas trop. Je n'arrive pas à tourner avec le volant, c'est trop. Ok. Ça passe là. Hop. Oh là, mais quel joueur. Je suis sûr que je conduis mieux volant que certains joueurs à la manette. C'est obligé. Donc peut-être pas non plus. Mais en vrai, proportionnellement comparé aux gens qui jouent GTA, c'est obligé. Je vais en faire partie du bas. Du bas de la conduite. Hein. Il y a peut-être des places en bas, j'ai envie de me garer. On va tenter voir si. Code de la route, non, c'est moi qui passe. Ok, on va tenter. Oh la petite place de pas. Oh mec, en marche arrière. Impossible. Généralement, mon marche arrière là, mais alors là, là déjà, j'ai pas mon joystick. Je sais pas comment on fait. Bah non, j'ai pas de joystick pour voir ma vue. Ah si, c'est bon, quand je tourne, ça fait un peu automatiquement. On va mettre le volant au max.
C'est pas gagné. C'est pas gagné. La voiture était neuve de base, là, peu compliqué. Là, c'est pas gagné. Hop là, hop. Là, hop. Imaginons que je vais m'arrêter là. Un peu au bord de la route, même. Voilà. Voilà, mon pote. Est-ce que je suis garé? Oui. Rien à foutre. Rien à foutre, je suis garé. Pour partir, par contre, frérot, voilà. En vrai, j'étais assez contre volant, c'est drôle. Putain, en fait, t'as l'impression de redécouvrir le jeu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok, on va aller en ville, on va aller vraiment. Si j'arrive à atteindre la ville, surtout. On va aller au centre-ville pour voir quand il y a beaucoup de voitures, tout ça. On va essayer de respecter un petit peu, un minimum, le code de la route, finalement, les feux rouges, tout ça, pour voir si j'arrive. Parce que aller rapide, finalement, j'ai juste appuyé sur la pédale et à foncer. Hein, je vais prendre un mur. Donc faut vraiment voir si au volant il y a vraiment une réelle maîtrise ou non. Parce que le joystick, c'est pas trop compliqué. Je m'en passe mon tir. Et peut-être que les gens conduiraient mieux au joystick. Ah, je sais pas, moi. Pour passer vite, c'est pas compliqué. Automatique, pourquoi pas. Oh là là, j'ai failli me prendre le poteau là, ça va pas mal. Oula. Oula. Ouh, le conducteur. Ouh, le conducteur. Oh, je vais te faire taxi. En mode histoire, on peut faire taxi. Bon, je vais pas le faire, mais on peut le faire taxi. Peut-être dans une prochaine vidéo si je refais un volant et que je trouve un concept. En mode en ligne, si je fais bon pour le taxi, du coup, non, mais oh, putain, hop, on va se calmer. Ça aurait été drôle de faire taxi. Ok, on va au centre-ville, on va voir un petit peu ce qui se passe. Déjà, j'ai pas de casque sur le volant pour pas mettre de casque. Je crois. Alors, c'est volant PS4 hein, que j'ai pas dit, c'est le volant play. Là, je tourne un peu, c'est pas ouais. Bon, là, c'est pas vraiment le code de la route. Là, il est pas fait, hein. il est pas fidèle. Hein. C'est bon là, allez, code de la route, c'est parti. Non, on ira plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Non, on est passé au centre. Et on va respecter les gens qui traversent. Voilà, quand même. Ah ouais, ça tourne. Comment est-ce pour klaxonner? Oh, je peux pas klaxonner. Ah ouais, mais du coup, je peux pas klaxonner, mais eux, ils avancent pas, quoi. Mais frère, à quel moment t'avances pas? Allez! Oh! Ouais, non, mais ils ne bougent pas. Ils restent. Oh, pas les flics, s'il te plaît, pas les flics, c'est horrible. C'est vrai qu'il faut pas que j'ai les flics parce que je sais pas comment m'en sortir si je les ai. Hein. Ouais, là, c'est compliqué. Ok. Oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est drôle, franchement. Ok. Ok. C'est pas très fluide. Hein, les stops. Pourtant, j'ai un maillot. Je sais pas si j'ai dit, mais j'ai vraiment une veste. J'ai foncé dans la voiture devant, je vais vous expliquer. J'ai vraiment une veste de la Scuderia Ferrari pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est Ferrari en fait, hein. Enfin, vous connaissez pas Ferrari, c'est un peu compliqué. Mais vu que je suis un petit peu la F1 en ce moment, je me suis acheté ça. Je voulais le doubler, franchement. Par contre, on marchait déjà, je double par la droite, arme de code de la route, là on est plus bas. Ok, c'est bon. Ah, feu vert, moi j'y vais, hein, feu vert. Ouh, là, les lignes. Ouh, les lignes, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais là, c'est impossible. Ok, on va essayer. Je suis pas vraiment au centre-ville, là. Il est où le centre? Là, je suis un peu... Si, je suis en ville quand même, mais... Ouais, bon, là, je passe en même temps, voilà. Ok, c'est bon, j'y suis au centre-ville, là. Vas-y, on va y aller. Donc, là, hop. Y a pas de frein à main. Je peux pas vérifier si je suis bien. Je peux pas vérifier si je suis... si mes distances sont bien. Avance, non? Pourquoi il avance pas? Allez! Non, pour de vrai, pourquoi il avance? Bon, rien à foutre. Alors là, mec, je dépasse. Par la droite, toujours par la droite. Voilà, on aime. Je sais pas pourquoi il avançait pas. Hein. Alors là, par contre, je suis désolé, c'était vert. Il y avait rien. Il y avait rien. Oh, c'est vert. Je m'en fous. C'est orange, pareil. Oh. Oh là là. Oh, c'est pas. Oh là là. Oh là là. Je fais pas exprès. Ok, c'est rouge. C'est rouge. Allez-y, monsieur. Voilà, on laisse passer avant tout. On ne sait pas tourner, cependant. On respecte. On ne tue pas. On ne tue personne dans cette vidéo. On ne tue personne. Ah non, mais ne bouge pas. Bon, peut-être tuer deux personnes tout à l'heure, mais c'était juste parce qu'ils avançaient pas et que voilà. Dans GTA, il faut montrer un petit peu qui on est. Bon, les feux rouges sont très longs dans GTA, je crois. J'ai un doute. Hein. Et lui, il avance où? Oula, il y a un camion derrière moi là. Ah, c'est vert. Excusez-moi, c'est vert. Donc là, hop. Là, j'attends qu'il passe. Peut-être un petit peu plus long, peut-être. Voilà, my bad. Hop là, hop. Là, j'attends. Et là, boum! C'est beau. Je mets à gauche vu que ça sort. Oh putain, lui aussi se met à gauche. Ah, super les gars, super! Allez, ouais, c'est bon là, j'ai envie d'aller vite là. Allez, là, j'ai envie d'aller vite.
On voit rien, on voit rien, on voit rien. Voilà, je passe entre les deux, c'est beau. C'est beau, ça c'est du gameplay ça. C'est vert, c'est... C'est quoi la moto? Ok, alors là je suis en centre. Alors là mon pote. Oh, pourquoi je suis en sens inverse lui? Putain, je freine, hop. On peut pas déraper, c'est con, on peut pas déraper. Si j'ai R1 je crois. Attends, c'est R1 pour déraper. Oui, c'est R1. Alors là. Et il y a des trucs à, y a des trucs à essayer de faire. Des trucs à essayer de faire. J'ai pas essayé de me garer réellement. Le commissariat il est où? Tu sais qu'il y a des trucs pour se garer. Ils sont plutôt pas mal. Oh là, il est à côté le truc, je crois. Il est là, non? Il est derrière, il est derrière. On va y aller, on va y aller. Mais pourquoi tu tournes comme ça? Mets ton clignotant! Oh là, en plus, moi j'arrive pas à tourner. Bon, je veux pas clignotant, mais. En même temps, ça c'est Michael qui va le gérer, hein. C'est Michael qui va le gérer, ça. Ok. Oh, ça doit être là? Non? C'est après, c'est après, c'est après, me tourner à gauche. Ok. On va essayer de se garer une dernière fois pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ok, allez, allez, calme, calme-toi. Merci beaucoup. Oh là là. Je sais pas ce que va être la mina de la vidéo. Oh, surtout que là, si je me gourre, j'ai flic. Voilà. Finalement, vous allez me dire que c'est un peu simple. Il faudrait tomber en arrière. Oui. Oula. Oula. Je démarre mal. Là. Je démarre mal. Déjà. Déjà, je peux même pas me garer en plus dans ce sens-là normalement en arrière. C'est pas. On va tenter. Bon, on va faire un truc. Hop. R1. Ouais. Bon, c'est pas vraiment marché. On va se calmer. Voilà. Mettre tout le monde le fond dedans. Hop. On va se calmer. Allez. On va faire ça et là on marchera. Hop, hop, je me mets là. Je me mets là à peu près. Volant en braque. C'est beau. C'est beau ou pas là? Il attend là, je m'en fous, il attend. Oula, c'est pas très droit ça. Si? Oh si, ça va. Hein. Oh, je m'en fous, ça passe, c'est bon. Oula. Mais en fait le problème d'une automatique c'est qu'il faut appuyer sur le frein et aussi l'arrière. Enfin en tout cas dans le jeu là actuel comment je fais. Je fais comme ça. Bon, on aura testé GTA 5 au volant. C'est pour rester manette hein. Est-ce que ça en vrai en... Oh, on peut freiner. Je peux freiner avec... Ah bah oui, j'ai L2 R2 là. Ok. En vrai ça ne vaut pas le coup. Enfin si, ça vaut le coup si vous voulez tenter et rigoler. Ah ouais, mais achète une fois de police. Oh là mon pote. Je vais les semer. Alors là, je vais les semer. T'as jamais vu ça. Alors là, je connais tous les petits trucs par cœur. En vrai, je connais GTA par cœur. Cependant, au volant, ma prise de décision va être plus longue. Parce que je pense à autre chose en même temps. Ok, ça va aller. Là, je suis en vrai. Voilà. Oh là, oh, c'est beau. Oh, c'est moins beau. Ah oh ouais, bah oui, il y a un autre commissariat là, je suis con. Ah, oh, je suis con, il y a un autre commissariat là. Oh là, oh, je vais faire une ligne de qualité, bah bien sûr. Et là. C'est pas ça que je voulais faire. Peut-être pas ça que je voulais faire. Oh merde, oh là, mais faut se calmer un petit peu. Bon, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vais essayer de m'en sortir comme je peux. Puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine. J'ai tenté, écoutez, j'étais à 5 au volant, c'était une vidéo à faire, j'avais un volant. J'avais le jeu, moi j'ai dit il faut essayer, sachant que j'avais pas essayé avant. Tout pour moi, à tous pour une prochaine vidéo, c'était Pierre Alex, feu rouge quand même, feu rouge, on respecte même si on est suivi par la police, et ciao.